Salut à toutes et à tous, c'est Skyrimot et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à Valheim. Dans cette vidéo, pas de construction, non, on arrête avec ça pour le moment. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai déjà de nouvelles idées, de nouvelles envies. C'est terrible, c'est une véritable drogue. En plus, je me suis engagé quand même à créer un pont qui relierait une île lointaine. Ah, le défi quand même. Et puis j'ai des petites idées aussi pour l'arrière, là, pour bon, déjà les défenses. Vous voyez que ma tranchée avance bien. Voilà, elle n'est pas terminée parce qu'en fait c'est très ennuyeux de creuser une tranchée qui est profonde en plus. Vraiment, elle est très profonde. Donc c'est un petit peu fatigant, mais je la terminerai, je pense, pour la prochaine vidéo. Mais donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur le combat contre le troisième boss, Mazdos. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Alors si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je galérais un petit peu avec toutes les cryptes pour trouver l'emplacement. Alors si vous avez la même carte que moi, eh ben notre spawn, il était à peu près par ici, si j'ai bonne mémoire, avec notre téléporteur, là où on a laissé le bateau et tout. Et la crypte avec le boss, enfin qui indiquait l'emplacement du boss, est là, et le boss, il est là. Donc en fait, il était vraiment pas loin, mais bon, voilà. Bah, alors j'en ai profité pour enlever toutes les cryptes sur la carte, parce qu'en fait, tous chevauchés, il y en avait tellement. Mais voilà. Donc c'est un... Non, zut, qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, pardon. C'est un boss un petit peu particulier, et on va voir comment le vaincre de la pire des manières qui soit. Bon, évidemment, on pourrait combattre ce boss à la loyale avec une massue, parce que c'est un boss qui craint les dégâts contondants. Donc n'y allez pas avec une épée, hein, si vraiment vous voulez le faire au corps à corps, il faut prendre une massue, que ce soit la massue de fer, qui est très efficace, mais aussi le brise-serre, qui est une énorme masse qui permet en plus de faire des dégâts de zone sur les ennemis, enfin d'en toucher plusieurs à la fois, donc c'est très pratique. Alors on pourrait le vaincre comme ça, bien sûr, mais c'est pas marrant. Mais non, c'est pas marrant. Nous, on est là pour se lancer des défis, pour tirer parti de l'environnement, de profiter de tout ce qui nous offre. Donc, non, on va le faire différemment. Alors, il faut savoir qu'on peut pas l'attaquer à l'arc. Du moins, c'est ce que le jeu nous laisse penser. Parce qu'il est insensible aux flèches, sauf aux flèches de glace. Eh oui, celle-là, il les craint. Bon, bah alors du coup, pour faire des flèches de glace, comment on va faire? Bah, il faut aller à la montagne. Et pour aller à la montagne, eh ben, il faut trouver la montagne. Une fois que vous avez trouvé votre montagne, déjà la première chose à faire, c'est ingurgiter une potion de résistance au froid afin de ne pas geler, sinon vous allez perdre un point de vie par seconde à peu près, ce qui est quand même très violent. Hop. Vous voyez que là, je temporise l'adversaire. Lui, on doit le tuer en fait, parce qu'on récupère pour faire les flèches gelées. On a besoin de deux ingrédients. Un qui est donné par cette chose-là. Allez, vas-y, viens là. Ah, il a bien encaissé. Il prend pas feu, saleté, là. C'est pas possible, ça. Bon, comme vous voyez, je n'ai toujours pas un grand chasseur. Ah bah non. Non, par contre, moi, j'ai ramassé, là. Ils font pas trop mal, encore. Ça va. Voilà. Quand il meurt, il lâche une glande gelée. Donc, vous avez besoin de ça pour crafter. Et vous avez besoin de... Ah, bah là, ça tombe bien, on en a... De l'obsidienne. L'obsidienne, donc, ça se farme là. Mais par contre, petite douille, évidemment. Pour récupérer de l'obsidienne, une pioche classique ne suffit pas. Il faut, évidemment, une pioche en fer. Sinon, ça ne marche pas. Et une fois que vous avez ça, eh ben, vous pouvez crafter les flèches gelées. Bon, bah maintenant qu'on a vu les ingrédients pour le faire, on va se retrouver directement au marécage. Honnêtement, je pense que dans l'histoire du jeu vidéo, il n'y a pas de personne plus malchanceuse ou maladroite que moi. C'est pas possible. Je vous explique. Quand j'enregistre une vidéo, en fait, j'enregistre plusieurs petites vidéos et je les colle, en fait, parce que si j'enregistrais une seule vidéo trop longue, déjà, mon ordinateur aurait du mal à la charger. Bref, c'est compliqué. Et là, par je ne sais quel miracle, j'ai oublié d'enregistrer mon combat contre le boss. Donc, en fait, j'ai parlé tout seul à mon ordinateur pendant 20 minutes. J'ai raconté ma vie, je me suis confié, on allait loin dans l'intime. Mais non, je n'ai rien enregistré. Donc je suis dégoûté, parce que ça y est, j'ai battu le boss et bah, j'ai pas d'image à vous proposer. Mais heureusement, dans Valheim, on peut recommencer indéfiniment les combats de boss. Alors, une fois qu'on a obtenu le trophée, on s'en fout en fait. Mais au moins c'est pratique, je sais qu'on peut le réaffronter. Du coup, je refais mon enregistrement, je suis ravi. Avant que j'oublie, dans les marécages... Ah oui, bah, alors là, c'est bah, un nouvel échec. Voilà, on n'est plus à ça près. N'oubliez pas
Hop, le bateau. Le bateau, vous n'aurez pas le choix, hein, pour ramener votre ferraille, parce que la ferraille, elle passe pas par le téléporteur. Donc, c'est le passage obligé, malheureusement. C'est très pénible, c'est très long. Mais bon, si c'était pas comme ça, en fait, le jeu serait trop facile, je pense. Donc, bon, je comprends la nécessité d'ajouter ça, parce que sinon, si on pouvait transporter le minerai via téléporteur, mais là, ça y est, c'est la fin, c'est la fête. Donc, bref, pour revenir à notre combat de boss, il y a deux niveaux de fourberie. Vous voyez qu'on est dans les marécages, donc a priori, mobilité réduite, c'est compliqué. Mais vous pouvez sortir votre houe et faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire rehausser le niveau. Si vous faites ça, vous combattez le boss sur la terre ferme. C'est pas mal, c'est pratique, ça permet d'être beaucoup plus mobile, d'esquiver plus facilement, etc. Mais, pour moi, c'est pas la méthode la plus marrante. Non, pour moi, la méthode la plus marrante, c'est celle de la fourberie ultime, c'est celle de la hauteur. Ah oui, alors si je me trompe de touche, ça n'a pas marché. Hop, on offre le sacrifice et on se casse vers cet escalier préalablement construit. On profite. Ah, mais pourquoi y a-t-il un trou? Je vais vous expliquer ça. Et voilà notre boss. Il est là. Donc là, le boss nous cherche. Coucou, je suis là. Et il va venir vers nous. Et on va le faire comme ça, tranquillement. Et là, ça sert à rien. Tu peux nous jeter ce que tu veux. On ne craint rien. Alors, pourquoi j'ai détruit l'escalier? Pourquoi il y a un trou dans mon escalier? Parce que s'il n'y a pas de trou, le problème, c'est que, en fait, le combat est très long. Hein, et il y a des ennemis qui finissent par arriver. Notamment des squelettes. Les squelettes montent très facilement à l'escalier. Et si ça arrive, là, c'est la fin, quoi. Bon, on le voit pas, mais on le touche, hein. Donc, on y va. On laisse notre endurance remonter. Ah, si on va manger tranquillement, on va casser la croûte. On est large, hein, là. Donc, voilà pourquoi il faut péter l'escalier. Et là, on est tranquille, hein. Littéralement, tout le combat va se passer comme ça. Je ne crains rien, je suis serein. Le seul point un peu négatif, c'est que quand on va descendre, il y aura beaucoup d'ennemis au sol, notamment beaucoup de blobs. Les blobs vous empoisonnent, donc pensez bien à avoir vos potions anti-poison, et comme ça vous serez tranquille. Mais j'adore cette technique, c'est génial, c'est tellement fourbe. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait dans le jeu, tout est possible. La limite c'est votre imagination, la phrase de base par excellence, mais c'est vrai. Parce que, par exemple, sur le combat contre l'aîné, si vous avez suivi le truc, moi je l'ai fait en construisant des feux de camp tout autour, parce qu'il est sensible au feu, et comme ça je le maintenais à distance. Y a quelqu'un, un abonné, qui me disait en commentaire, d'ailleurs je sais même pas s'il est abonné, si la vidéo vous plaît et vous aide, abonnez-vous, laissez le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, et évidemment c'est ce qui aide, vraiment, je ne pense plus à le dire sur mes vidéos, parce que je sais que ça saoule les gens, mais c'est malgré tout très important. Je touche là ou je touche pas en fait? Je crois que je touche pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il s'en va? Voilà, hop. Ah, on entend que ça tape. Ah, il s'attaque peut-être à mon escalier là. Quelqu'un donc qui me disait pour le combat contre l'aîné que lui il avait creusé un trou pour piéger l'aîné. Et que une fois l'aîné dedans, on va attendre que l'endurance revienne parce que là c'est un peu la catastrophe. Et que une fois qu'il avait fait son trou, donc l'aîné s'était retrouvé dedans. Et du coup, ça avait... On va s'avancer encore un petit peu, on va essayer de pas tomber. Parce que sinon, ça va être problématique. Ouais, on lui enlève bien de la vie, parce que j'ai l'impression qu'on touche pas à tous les coups. Si on touche à tous les coups, maintenant, ça va. On fait beaucoup de dégâts. Alors, les dégâts, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un timing pour faire des dégâts critiques. Selon le moment où je relâche le clic... C'est pas les mêmes dégâts, et je pense aussi que si on tire dans la tête, on en fait plus. Là, vous voyez, si j'attends pas que le rond soit vraiment le plus petit, je fais que 39. Si je tire à la dernière minute, je fais 50. Donc, économisez vos flèches. Ah oui, là, il est en train de péter mon escalier. C'est pas grave, parce qu'en fait, l'escalier, ce qui est génial, c'est, ma structure va pas s'effondrer, c'est qu'en fait, si vous collez une pièce au tronc d'arbre, c'est considéré comme fondation. Donc... on craint rien, la pièce est bleue et ça s'effondrera pas. Donc c'est vraiment très pratique.
D'ailleurs, puisque je parle de fondation, dans ma maison, ça y est, j'ai commencé à avoir des petites idées. La pierre, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente sur la construction, l'amélioration de la maison. Je vous avais dit, ouais, la pierre, c'est pénible et tout, ça me saoule, je vais pas m'en occuper. Bah, en fait, si, peut-être. Je vais peut-être faire des changements par rapport à ça. Alors, c'est pénible parce qu'on doit avoir un tailleur de pierre toujours à côté. Mais la très bonne chose, c'est qu'en fait, la pierre compte pour sol. C'est comme si c'était du sol dans une maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si vous le mettez au premier étage, que vous faites un premier étage à base de... avec des piliers en pierre, eh ben, ça va compter comme si c'était le sol. Donc il y a moins de pression exercée et vous pouvez monter plus haut vos bâtiments. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je viens de dire. Je le réexpliquerai en vidéo. Mais voilà, je trouve ça super. Et du coup, bon bah, moi j'aime le bois, donc je veux garder une maison en bois. Mais si on peut améliorer un petit peu et monter plus haut, ouais, moi je suis curieux, hein, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et puis pareil pour mon fameux pont pour relier une autre île, et ben peut-être qu'il sera en pierre, parce que du coup, les pierres comptant comme des fondations, si j'arrive à les poser au fond de l'eau, ça pourrait être très pratique. Voilà. Oui, littéralement, là, je vous raconte ma vie comme ça, je regarde même pas ce que je fais, juste mon petit curseur pour optimiser ce combat, vraiment, comme ça, c'est une blague. J'ai hésité à faire des petites constructions autour, aller sur les autres arbres pour pouvoir aller tout autour, ça aurait pu être rigolo. Mais je me suis déjà cassé un peu la tête à faire un truc assez propre. Petite sauvegarde de partie, d'où le ralentissement. Et là, je vais découvrir qu'en fait, il va one-shot, ce qu'il n'a pas fait dans la version non... Ah bah ouais, vous voyez que là, il est en train de tout éclater, là. Je crois que mon escalier, il est en train de prendre... cher, mais c'est pas grave, parce que j'ai l'établi à côté de moi. Alors, évidemment, si j'avais laissé l'établi en bas, le problème, c'est qu'il l'aurait cassé aussi. Donc, faire un premier établi... Ah bah tiens, alors lui, il vient prendre les dégâts. Faire un premier établi en bas pour construire l'escalier, puis en faire un autre en haut, au cas où il y a un accident, un imprévu, on sait jamais, hein. Ça, il faut pas hésiter. On prend pas de risque, parce que là, si vous tombez, vous êtes mort. Hein. Donc, voilà, on y va tranquillement, doucement. Ça va passer. Hein. Mais voilà, et puis donc, refaire, mettre un peu de pierre dans la maison. Et puis, ça, en fait, de faire cette construction... Ça m'a donné envie, vraiment, de faire une cabane. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. On peut planter des arbres. Hein. Donc je vais peut-être me planter des pins et me faire une cabane à côté de la maison ou ailleurs. Non, à côté, parce que comme ça on pourrait faire un petit... Je sais pas encore ce qu'on pourrait faire. Je vois des blocs passer à côté. Mais ça va, on les craint pas. Bon, en tout cas, voilà, il y aura probablement une cabane aussi. Ça peut être sympa, hein. La cabane dans les arbres, ça c'est le truc de gosse quoi. Quand on est gosse, on a tous envie d'avoir une cabane dans les arbres. Bon, chez mes parents, il n'y avait pas d'arbres, donc du coup, enfin pas assez haut, du coup. Donc j'avais pas de cabane dans les arbres. Et ben là, voilà, Valheim, c'est quand je vous ai dit qu'on était dans l'intime, dans la confession. Je ne plaisantais pas. On se dit les choses ici, c'est le moment. Bon, en même temps, là, que vous avez zappé le combat parce que c'était beaucoup trop long. Quelqu'un, je comprendrais aussi. Hein. Allez, est-ce que ce sera le coup fatal? Ah bah non. Non mais t'es sérieux là? À une flèche près? Voilà. Éliminé. Donc maintenant, on va voir les dégâts. Ah bah vous voyez. Ah c'est bête. Hop. Tu peux pas passer. Alors, on va quand même équiper notre bouclier. On va aussi se prendre une potion anti-poison. Voilà, on a 10 minutes de tranquillité. Donc qu'est-ce qui a été cassé? Ah, finalement, pas tant de choses que ça. Bah, franchement, il a bien tenu. Oula. Là, il faut faire super attention parce que c'est vraiment un coup à se faire démonter. Là, vous voyez, j'ai beau avoir pris... C'est bon, je prends plus de dégâts, tout va bien. Alors, quand l'ennemi meurt, il lâche évidemment son trophée et un objet qui s'appelle le bréchet. Le bréchet, bah oui, bah, évidemment, je l'ai déjà, parce que je l'ai déjà battu. Le bréchet permet de détecter des objets cachés dans le sol. Donc, il permet soit de détecter des trésors cachés, soit des filons d'argent. Et l'argent, du coup, bah, je ne savais pas qu'on allait avoir ça, que ça allait être la prochaine étape. Ah bah, vous voyez. Ah bah. On se rapproche.
Ah, on s'éloigne. Ah, alors là, normalement, si on creuse... Si on creuse, on va d'abord tuer le squelette qui arrive vers nous, vaillamment. Hein. Lui, il y croit. Voilà. Non. Voilà, c'est censé être par là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire comme ça. On va se remettre la pioche ici. Il est où mon trésor? Ah bah voilà. Le trésor, c'est ça, c'est un tas de boue en fait. C'est de la ferraille supplémentaire. Vous voyez, hop, on a récupéré. Voilà. Bon bah c'était super, j'en avais pas besoin. Mon petit, je vais pouvoir reprendre mon petit bateau. Alors, évidemment. Oula, zut. Est-ce que j'ai encore ma potion qui agit? Oui, ça va, on s'éloigne. Je vais pas vous faire le truc de la pierre sacrificielle, on va accrocher le trophée, je l'ai déjà fait en fait. Le nouveau pouvoir qu'on a récupéré, le pouvoir de Mazdos, c'est une réduction de dégâts. Donc ça c'est vraiment cool, parce qu'on va pouvoir se protéger, et ça, ça va être très bien. Allez, il est temps de prendre la mer, là, et prendre le large. On va dans quelle direction déjà, nous? On part ouais, par là, et on va tout remonter. Ah non, mais le périple quoi. Je suis pas arrivé, hein. Mais, bonne nouvelle, le vent souffle dans notre direction. Allez, on se casse de là. Ciao les nazes. Ah zut. Allez, avance. Voilà, allez, essayez de nous rattraper. Allez, à jamais les mecs. Bon, faut pas que j'aille... J'ai peut-être coulé, moi, comme un idiot. Non, hop, ah là là là. Ah, le bateau, c'est relou. Hein. C'est vraiment le truc un petit peu... Zut. Un petit peu relou. Hop, c'est bon, on est dans la bonne direction. Attendez, on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Et voilà, on peut partir. C'est ça, Valheim. C'est la haute mer, c'est le plaisir. Enfin, là, on n'est pas en haute mer, on n'est pas dans... Mais voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous dis à très bientôt. Pour la suite, ce sera sans doute du côté de la montagne. Ah bah, il y a une île, donc là, on va l'éviter, hein, notre petit iceberg. Ce sera sans doute du côté de la montagne qu'on va poursuivre. Ah bah, il fait beau en plus maintenant, ça c'est cool. Bon, non, en fait, il y a de la pluie, je dis n'importe quoi. Mais il y a le soleil quand même. Et la montagne, bah, ça devrait être sympa. Pensez toujours, potion de gel, enfin, pour contre le gel, c'est très utile. Bon, allez, moi, je peux pas faire deux choses à la fois, c'est pas possible. Là, je pense que Titanic 2, c'est moi. Hein. Enfin, du coup, Titanic 0, parce que ça se passe avant. Bon, bref, j'arrête là. Oh, bah, c'était nul, j'ai honte. Allez, salut.